j'espère que vous allez bien, bienvenue à ce live de Mixed deal. ça faisait un moment que j'avais pas eu le temps de faire ça, une heure raisonnable fait que finalement on l'avait pas fait euh, mais c'est ça, on est là, fait que dans le fond, l'épisode au premier regard, c'est la onzième ce soir. Pour ceux qui c'était la première fois que vous regardez ça, ce qui se passe aujourd'hui en fait, c'est que premièrement, je vous parle de, de ma première impression d'un nouveau jeu que j'ai essayé pour la première fois puis je vous dis qu'est-ce que j'en ai pensé. Après ça, ben, je vous parle de ce qui est nouveau avec la chaîne puis attachez votre truc parce que là, 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 ça va brasser ce soir. <laughs> Il y a pas mal de choses. Euh, puis c'est ça. Sinon, euh, dernière des choses, ben c'est que je vous parle... Euh, des nouveautés euh, dans le monde on les Kickstarter la, la, sa la saison de la chasse des Kickstarter est ouverte fait que euh, on va regarder ça. ça ça brasse de ce côté là aussi fait que euh, on a pas pire de stock à regarder ce soir euh, puis on commence ça tout de suite fait que euh, on va commencer par parler de euh, du nouveau jeu de mon nouveau jeu que je veux vous parler aujourd'hui euh, celui que j'ai essayé puis c'est pas à moi, en fait. fait que je l'ai essayé euh, chez un ami. Donc, je vais vous partager la page de Board Game Geek parce que c'est quand même le fun de regarder des images en même temps. Euh, fait que, genre, on fait ça. Genre, là. Et voilà! Donc, le nouveau jeu, c'est Aftermath qui est sorti euh, tout récemment en français. C'est un jeu qui est sorti quand même l'année passée, là, pour les autres personnes. Mais en français, il vient de sortir. C'est du même auteur qu'on connaît pour avoir fait Mice and Mystics, entre autres, Histoire de peluche, tout ça. Et là, il a sorti une nouvelle sorte d'histoire qui est encore avec des petits rongeurs. Fait que cette fois-ci, on peut jouer des, des hamsters, des souris, euh, même un cochon d'Inde. Bref, c'est super cute. Mais c'est un terme plus mature que Mice and Mystic ou Histoire de Peluche avait. On voit que l'intention derrière ça, c'est vraiment d'attirer une clientèle plus mature qu'avec les derniers opus. Et là, euh, c'est ça, ça se passe encore une fois, même qualité en fait de matériel, même type de choses que dans Histoire de peluche, c'est-à-dire que c'est un Dungeon Crawl, mais qui se passe dans les pages d'un livre, qu'on tourne, puis là, tout est, tout est inscrit, ce qui se passe, tout ça. Donc, on lit certaines sections selon où on est rendu, tout ça, le jeu nous dit un peu comment ça se passe. Et. Euh, c'est ça, c'est juste que là, c'est un jeu qui est à monde ouvert. Ben oui. Euh, Puis que c'est ça, c'est un, une grosse, grosse aventure massive où il faut que tu gères ta colonie en plus de gérer tes petits bonhommes. Euh, Puis tout ça. De un, la qualité du matériel est exceptionnelle, phénoménale de ce jeu-là. Je ne sais pas si je vais pogner une, une photo où on va voir assez bien. Pour ceux qui sont familiers avec A Week ceux qui ont fait Nemesis, ils font une sorte de technique sur leurs figurines, on peut payer plus cher quand on a le jeu pour faire ce qu'on appelle du euh, comment qu'on appelle ça, c'est du je m'en souviens, puis Sun Drop, c'est ça parce que c'est comme un genre de pre-shade qu'ils vont faire sur euh, les figurines, ben ils ont fait ça avec ces figurines là, puis les figurines sont d'une bonne grosseur là, quand même, oh, ça c'est super cute, excusez. <laughs> facilement dé déconcentrer la fille mais le chat ici là, il est vraiment gros avec c'est surprenant euh, avec bref ben c'est ça donc euh, donc la qualité du matériel est Exceptionnel. Une autre question que souvent les gens vont se poser, et euh, c'est de façon légitime, est-ce que le jeu se joue bien? Parce que cet auteur-là euh, qui a fait My Mystic, qui a fait euh, Histoire de peluche, n'est pas connu pour faire les livres de règles les plus clairs au monde. Est-ce que ça change avec celui-là ou pas? Malheureusement, non. Le livre de règles est toujours pas aussi clair. En fait, avant, il était connu pour faire des livres de règles qui duraient comme 40, 45 pages, vraiment complexes. Ça tournait en rond. Euh, les détails, il manquait certains détails, c'était pas clair, tout ça, fallait faire des FAQ, tout ça. Là, quand tu ouvres la boîte, t'es comme surpris parce que t'es content, parce que là, à place d'avoir comme 40 pages de règles, t'as un mini livret de règles. Fait que t'es comme, wow », il a vraiment, il s'est donné, là. Il, a fait, il a compris le message, il a compris que ça avait pas d'allure de faire des, des, <laughs> des règles comme ça, pis tout. Mais finalement, tu te rends compte que. <laughs> C'est pas très clair, il aurait peut-être dû rester avec ces euh, euh, 40 quelques pages de livres de règles pour que ça soit plus clair. Fait que la première partie qu'on a fait, il y a ce, ce côté-là qui était un peu plate. C'est que tu penses quand tu startes le jeu. Ben, en fait, non, on savait, on savait pas mal en certains jeux jeu qu'il qu y avait certains détails qui étaient shady un peu. On s'est dit tout va faire du sens une fois qu'on va être en jeu. Malheureusement, il y avait encore des détails qui manquaient, mais c'est comme tous les bons dungeon crawler. Hein? Ça, c'est la première partie, c'est tout le temps un petit peu plus, euh, un petit peu plus clumsy. On fait des erreurs, tout ça, puis après ça, ben, on s'adapte, puis on finit par réussir à jouer. Fait que le gameplay, à part ça, <laughs> quand on fait pas des erreurs, comment ça joue euh, Ça joue super bien. Il y a pas de dés là-dedans. Ça joue avec des cartes. C'est les cartes que tu as en main, les couleurs de cartes qui vont te permettre de faire certaines actions. Euh, Puis il y a des chiffres dessus. Fait que c'est vraiment des cartes comme un peu des cartes à jouer, si on veut. J'essaie de trouver des images en même temps. Donc, euh, ben, j'en trouve pas. Mais il y a des belles images de figurines. Fait que c'est ça. Mais ça, fait que t'as des cartes à jouer. Euh, c'est super le fun. Euh, L'histoire, c'est assez long. Un scénario, le scénario 1 nous a pris, je pense, pas loin de 3h, heures, 3 heures et 30 à jouer. Puis c'est pas parce qu'on jouait lentement. Fait que c'est juste parce que ça, ça prend un certain temps à jouer. Euh, mais en tout et pour tout, pour vrai, euh, c'était agréable l'histoire, et là, elle est bonne et tout. Donc, il euh, s'agit juste de s'adapter un petit peu, bien comprendre les règles. Je pense qu'après le deuxième scénario des gens, on va être pas mal parti pour, euh, pour bien jouer euh, pour tout le reste. Fait que c'est mon opinion pour l'instant de de peluche. Euh, pas d'histoire de peluche, de Aftermath. Euh, c'est difficile d'en dire plus que ça parce que c'est parce que ça. On a juste fait un scénario pour l'instant, mais c'est prometteur. J'ai hâte, euh, hâte que, que, que c'est ça, on soit plus en zone rouge et qu'on puisse recommencer à jouer pour continuer notre partie. Euh, mais mais c'est ça. Donc, c'était pour mon opinion du jeu. Je vais revenir sur ma caméra. Et voilà, comme ça. Donc là, on va parler de ce qui est nouveau avec Mixed Deal parce qu'il y a quelques petites choses qui sont nouvelles. Donc, première des choses, premier détail important que je suis pas mal contente, Mixed Deal. Euh, un nouveau collaborateur officiel, donc un sponsor. Et oui, euh, dans le fond, c'est une place que je vais souvent, une place que j'aime beaucoup. Euh, il me reste quelques petits détails à régler. Puis après ça, je vous annonce ça là, en grand sur Facebook très très bientôt. Et à partir de là... Vous allez voir au début de mes vidéos une petite, une, une petite section de la vidéo là, un 10 secondes qui présente mon, mes collaborateurs et euh, qu'est-ce qu'ils font c'est une super belle place fait que je suis super contente euh, en fait là, de pouvoir faire affaire avec eux pour ça puis qui a accepté de supporter mes idées euh, c'est une grosse étape qu'on vient de franchir fait que ça c'est vraiment vraiment cool fait que ben ben <laughs> Puis, à part de ça, pour me qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines parce qu'on a fini Jaws of the Lion? Euh, il me reste à faire le review mais je veux jouer plus de parties, parce que j'ai pas l'impression que j'en ai joué assez pour faire vraiment le bon comparatif entre Gloomhaven normal et Gloomhaven Jazz of the Lion. Donc je vais faire plus de parties, avancer dans l'aventure, et éventuellement je vais vous popper ça, moi, un review de Jazz of the Lion euh, assez complet, puis une comparaison assez complète entre les deux jeux, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça apporte de plus ce jeu-là, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux, tout ça. Et, ben en attendant, je vous l'ai promis, fait que ça s'en vient Hein? Euh, les vidéos sur route les vidéos de stratégie c'est juste que je voulais pas copier des stratégies tout simplement de d'autres personnes, quoique c'est dur à trouver, il n'y a pas tant de monde qui en ont fait, fait que on est quand même safe là-dessus. Mais justement, il a fallu que je développe des stratégies pour chacune des factions, parce que quand je vous ai parlé que je voulais faire cette vidéo-là, je venais de refaire une partie de route après comme deux ans sans avoir joué, tu sais. Fait que la fille, elle peu bien vous donner ses idées, mais sauf que c'était pas winner-winner. Fait que j'ai joué des parties de route non-stop depuis ce moment-là, parce que j'étais comme... Euh, <laughs> Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Bonjour Pascal, bonjour. te raté en fait quand je parlais de Aftermath. C'est le jeu que j'ai essayé cette semaine. Fait que te raté ça. Sinon, t'as raté que j'ai maintenant un collaborateur officiel. Fait que je vais l'annoncer. C'est qui? C'est plus tard cette semaine probablement. Là, les détails vont, vont se régler. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de ça. Et bien là, je suis en train d'annoncer également. Euh, que les vidéos de route, ils s'en viennent. Fait que bientôt, on, je vais commencer à faire ça. Et là, ce que j'ai pensé faire, c'est que je vais faire ça en quatre vidéos pour faire une vidéo par faction. Donc, je vais vous expliquer en détail comment elle joue, ensuite en détail, les stratégies qui fonctionnent, que j'ai trouvées qui vont bien avec ces factions-là. Et finalement, je vais finir avec des stratégies contre cette faction-là. Donc, on va faire ça pour chacune des factions. Et en plus de ça, pour chaque vidéo de faction que je vais vous faire, je vais vous faire une partie filmée de route sur euh, l'application Steam où je vais vous décrire tout au long de la partie c'est quoi mes stratégies. Fait que j'espère que je les perdrai pas parce que sinon ça va avoir l'air un peu niaiseux. Mais on, on verra ça, on traversera le pont quand on va être rendu là. Puis, euh, puis c'est ça. Ben écoute, Pascal, si tu veux collaborer à Mixdeal, euh, reste en ligne, tu vas voir euh, si es déçu, là, il y a toujours moyen. Tu vas voir, donne-moi un petit 5-10 minutes, je t'arrange ça. Mais, mais c'est ça, fait que dans le fond, <laughs> ce que je disais, c'est euh, Ouais, je vais, je vais filmer sur Steam des, euh, ma partie de route, vous expliquer en même temps ce que je fais, pourquoi je joue telle affaire selon les stratégies. Je vais faire quatre vidéos comme ça pour les quatre factions. Et euh, je ne sais pas si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo des règles en général de Root, genre un, une vidéo de 5 minutes pour vous expliquer ce quoi les principes de base de route. Euh, fait comme ça, on aurait fait comme boucler la boucle, je crois. Il y a même quelqu'un qui m'avait demandé de faire une vidéo règle sur les automas de route parce qu'il y a une extension qui vient de sortir pour ça. Donc, j'y songe fortement à le faire. Si ça vous intéresse, laissez-le-moi un commentaire et je le ferai. Et ben, c'est ça, fait que j'ai préparé pour les quatre factions. Là, les 4 autres, euh, des deux autres extensions, c'est plus complexe parce qu'ils ne sont pas disponibles sur Steam. Et ben, je n'ai pas de partner pour jouer avec moi à root. Fait que c'est plus dur de, de faire des parties euh, répétées parce que j'en ai fait. Si j'en ai pas fait 100, j'en ai pas fait une. Là, euh, des parties de route. Fait que c'est ça. Je vais attendre qu'ils sortent dans l'application Steam euh, de Root, les, nouvelles, les autres factions. Puis quand au fur et à mesure qu'ils vont sortir, je vais les faire. Euh, fait que c'est ça pour les vidéos qui, qui s'en vient avec Root. Sinon, on est le mois d'octobre. Et là, je suis comme énervée parce que ça m'a popé comme ça. Moi, il y a un type de jeu qui me fait triper. Puis je, je tripe sur les jeux de cet univers-là. Et c'est l'univers de HP Lovecraft. Et c'est l'Halloween. Fait que je me dis pourquoi pas parler de jeux d'horreur? Fait après les vidéos de route, c'est ce qui va s'en venir. Je vais vous parler. Euh, je vais faire mon top 10 des jeux qui sont basés dans l'univers de HP Lovecraft. Donc, il n'y a pas juste Fantasy Flight Games qui font des jeux dans cet univers-là. Fait que je vais vous faire mon top 10 de tout ça. Et je vais vous faire aussi un comparatif entre euh, Arkham Horror 2 édition et Arkham Horror 3 édition parce que les jeux sont quand même assez différents. Fait que je vais vous les présenter les deux puis on va voir ensemble c'est si quoi les différences pour ceux qui avaient encore la deuxième édition et qui se demandaient s'ils faisaient le saut pour la troisième. On va comparer ça, fait que ça va être mon petit thème Halloween du mois d'octobre. J'ai bien hâte de faire ça. Puis en plus, ça va aller super bien pour introduire le nouveau type d'émission qu'on va faire en live sur Twitch avec des amis. On va faire une partie, je vous en ai parlé la dernière fois, de euh, dans le fond, Call of Toulouse. Ouais, je vais incarner un, un DM, moi qui n'ai jamais fait de jeu de rôle. <laughs> Pouvez-vous croire ça? Fait que oui, Machina, Machina Arcana qui est présentement sur, euh, sur, euh, sur euh, Kickstarter, on va regarder ça tantôt. <laughs> Mais ouais, fait que je vais incarner un DM de, et voir comment ça va aller. On va faire une campagne de euh, Call of Cthulhu en plus, fait que mois d'octobre épeurant dans l'univers de Lovecraft, ha 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 à part de ça, j'ai d'autres vidéos qui s'en viennent parce que vous savez que je fais des collaborations sur la chaîne de Prof Board Game. La semaine, il y a deux semaines ou la semaine passée, le temps va vite ces temps-ci. La semaine passée, j'ai publié une vidéo règle du jeu It's a Wonderful World sur la chaîne de Prof Board Game. J'ai publié sur ma chaîne après ça le, la partie filmée. Fait que si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Euh, si ça vous intéresse, bien entendu, le, vous n'êtes pas obligé. Mais bon. Euh, Puis prochainement, fait qu'on n'attendra pas un mois, j'attends juste de leur recevoir, et je vais faire une autre vidéo sur la chaîne de Prof Board Game, et là, comme vous m'écoutez, là, là, ben, je vais vous péter un pas, mais ben, je vais vous donner un scoop, en fait, que les autres n'auront pas, ça s'en vient, là. dès que je reçois le jeu, je suis prête, ok, tout est, tout est prêt, j'ai vraiment hâte, parce que je suis une fan aussi de Stone Meyer Game, vous voyez venir, ils viennent de sortir Pendulum, je une vidéo règle de Pendulum sur la chaîne de Prof Board Game, vraiment hâte de ça, je vais faire aussi une vidéo, euh, pas une vidéo règle, mais une vidéo après ça, d'une partie filmée sur ma chaîne. Et probablement une petite vidéo d'overview du jeu, juste pour montrer aux gens en comme 5 minutes, ça ressemble à quoi ce jeu-là sur ma chaîne, pour qu'on fasse le tour avec Pendulum, parce que je trouve ça cool, il vient de sortir, puis euh, j'ai le goût de m'amuser avec ça. Fait que c'est ce qui s'en vient également. Et bien, euh, cet après-midi, j'ai sorti une nouvelle vidéo sur YouTube. Fait que si vous n'avez pas eu ça, vous pourrez aller voir ça. C'est une vidéo sur mon top 15 des accessoires de gaming, comment pimper tes, tes soirées de jeu. Et mon numéro 1, c'est un gigantesque Kickstarter que j'ai reçu la semaine passée. Si vous avez vu la photo circuler sur Facebook et Instagram, euh, c'est assez impressionnant. Fait que vous pouvez aller voir cette vidéo-là également sur YouTube. Et là, on tombe dans comment est-ce que vous pouvez devenir collaborateur de MixDeal si vous voulez, si vous pouvez. Je vous euh, vraiment aucune pression. Euh, C'est bien correct en fait comme ça. C'est juste que en fait, il y a ha, et voilà un Patreon de MixDeal qui vient d'ouvrir. Et là. Euh, je commence là-dedans, là. fait c'est un draft, puis je le fais un peu avec vous, fait que si jamais il y a des choses que vous voyez qui fonctionnent pas, euh, si les, les prix sont pas bons, les offres sont pas bonnes, si euh, il y a des choses plus intéressantes, dites-moi-le, puis sentez-vous vraiment pas forcé en fait, c'est juste euh, pour aider, en fait, à, à créer les vidéos, tout ça, j'ai créé un Patreon pour MixDeal, fait qu'on va explorer juste, en fait, les tiers qui sont offerts aux gens, et là, vous me direz ce que vous en pensez. Bonjour, Frédéric qui me dit bonjour dans les commentaires. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Laissez-moi un message, me dire est-ce que c'est trop cher, est pas, est-ce que est-ce que c'est pas assez de récompenses. J ai, j ai, je me suis un peu cassé la tête dans les derniers mois pour sortir ça. Puis c'est vraiment tu sais j'ai pas énormément d'attentes. C'est vraiment pour vous en fait si vous vouliez avoir des exclusivités de mix deal. Donc pour 3 par mois, ce que je vous offre, c'est d'avoir des aperçus, des nouveautés. Fait que vous allez être en contact direct avec moi via un Discord que j'ai créé de Mixdeal. Et on va se parler de toutes les nouveautés de Mixdeal, ce qui s'en vient, ce que je vous fais là, mais vous allez l'avoir de façon constante. Fait que dès que j'ai une idée de quelque chose puis que je planifie le faire, vous êtes notifié de ça. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Aussi euh, dans le fond, vous avez accès. Bonjour à qui de jouer! Mon Dieu, il y a bien du beau monde à ce soir! Fait que vous avez aussi accès en avance aux vidéos de la chaîne, ce qui veut dire que je vous les mets d'avance sur Patreon, euh, comme une petite exclusivité, ça aussi. Et vous avez accès à une section exclusive au Patreon de la podcast, c'est-à-dire que vous allez. Euh, que, que des gens vont. qu'une qu qu partie de la podcast qui ne sera pas disponible aux autres et qui, dans le fond, euh, vont être disponibles seulement au Patreon. Fait que, euh, inquiétez-vous pas, là, vous ne manquez pas grand-chose. ça va... Pour, pour les gens, c'est vraiment pas une obligation pour ça. C'est vraiment, vraiment des petites affaires de plus. Sinon, joueur intermédiaire, ce que ça va rajouter, c'est que euh, vous allez voter pour les vidéos. Fait que quand j'ai des idées folles de vidéos, puis que j'hésite entre qu'est-ce que je vais sortir, puis dans quel ordre, puis qu'est-ce qui va être intéressant, puis qu'est-ce que je fais. Ben là, je vous contacte encore une fois via le Discord et on, on discute de ça et vous choisissez ce que je vais publier. Et aussi une possibilité de poser des questions. Donc, si vous vous demandez la petite, la, la petite section FAQ de euh, la podcast, ben en fait, c'est les questions que vous, vous allez poser. Ce qui veut dire que à peu près une semaine avant d'enregistrer ma podcast, je vous l'écris sur le Discord. Je vous dis hey, on enregistre une podcast. Avec tel collaborateur, quelles questions est-ce que vous avez? Puis on va faire une section de la podcast, euh, je ne sais pas encore combien de temps, hein, 10, 20, 30 minutes, où on va poser les questions puis discuter des sujets que vous vouliez qu'on discute. Ça va être votre petit bonus et un remerciement spécial. Donc, euh, je vais vous remercier à la fin de chacune des podcasts également. Et là, un autre tiers, et là, c'est un gros tiers. Comme je vous dis, là, je vous présente ça, il n'y a aucune obligation derrière de ça. Là. Donc un autre tiers, c'est que à ce moment-là, vous avez un t-shirt personnalisé de MixDeal que je vous envoie directement par la poste avec un beau petit mot personnalisé. Vous avez une invitation au party annuel de MixDeal aussi qui va avoir lieu quand, <laughs> quand on va pouvoir faire des parties hein. Euh, Peut-être chez notre nouveau collaborateur, on ne sait pas. Fait qu'un un party annuel où on va jouer à des jeux puis on va avoir du fun. Euh, des explications via Zoom de ton nouveau jeu, ce qui veut dire que si t'es inscrit là une fois ou six mois, tu t'achètes un nouveau jeu. Tu m'écris, je m'arrange pour apprendre ton jeu et je t'explique les règles via Zoom parce que pour l'instant, c'est ce qui est le plus safe. Peut-être que plus tard, je vais pouvoir faire comme si habites à, à je sais pas moi, dans, dans telle région, euh, tel périmètre, je viens de te l'expliquer, je ne le sais pas. Mais <laughs> via Zoom, c'est facilement faisable, c'est cool, on peut se rencontrer, jaser, tout ça. Et ton nom dans le générique des vidéos, euh, puis c'est ça qu'il y a de nouveau en fait, en plus de tout le reste qui était déjà là. Pour les compagnies ludiques, soit les boutiques, euh, les cafés, euh, les, les maisons d'édition, tout ça, si jamais vous voulez avoir de la publicité, j'ai fait deux tiers aussi publicitaire, donc pour la podcast, euh, on peut faire des publicités dans la podcast et un autre, aussi on peut euh, afficher votre logo à la fin de mes vidéos. Fait que tout ça est disponible sur Patreon, si jamais vous êtes intéressé, c'est là. Mais comme je vous dis, c'est pas une obligation, je vous aime toutes de façon égale, pareil, il y en a pas de problème. Mais c'est ça, je voulais vous montrer ça, je trouvais ça intéressant de pouvoir faire ça. Fait que si jamais vous avez des commentaires là-dessus, ça serait super intéressant. On va-tu jouer à Nimesis. Ouais, ça serait vraiment cool, Frédéric, qu'on joue à Nemesis, Je suis vraiment down. On se fera ça. Partez de Mixed deal, on joue à C'est noté. Dès qu'il n'y a plus de COVID, on s'arrange ça. Fait que, que c'est ça. À part de ça, ce qui est nouveau pour Mixed deal, ben, je pense, ah, oh, non, c'est vrai. Il y a d'autres choses de nouveau. Je l'avais dit, à la soir, ça brasse, là. Fait qu'il y a le collaborateur, il y a le Patreon, il y a les vidéos de route, il y a les vidéos sur Prof Board Game. <laughs> et, 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 dernière chose, la saison 2 de la podcast de Mixed Deal recommence vraiment, vraiment bientôt. J'ai déjà la moitié, déjà, de réglé final euh, juste enregistré de ma podcast. Il va y avoir des invités vraiment cool. On va parler, entre autres, là... Je vous dis tout de quoi on va parler? Est-ce que vous voulez savoir de quoi on va parler dans la prochaine saison? Dites-moi-le en commentaire et je vais vous faire des, des sneak peeks de la prochaine saison. Mais, mais juste du bon stock, juste des bons invités. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Je commence à enregistrer euh, en fin de semaine là, pour la première épisode de la saison. Et puis c'est ça. Fait que. <laughs> Merci Patrick. Fait que, fait que c'est ça. Donc euh, OK, je vais vous le dire, c'est correct. Je vais vous dire je, je vais vous dire deux scoops pour la saison 2 de la podcast d'Amixil. On va parler de peinture de figurines parce que je sais qu'il y a plusieurs gens qui m'en avaient parlé, fait que j'ai fait appel à un expert qui a des trucs de fou à vous donner, ça va être un épisode vraiment intéressant. J'ai super hâte, je vais apporter mon pad de notes là, c'est sûr. Euh, on va parler aussi de jeux de cartes à collectionner parce que je trouve ça intéressant comme monde, tu sais, puis oui, des fois qu'on est dans les board games, on est un peu moins là-dedans. Mais quand même, je trouve ça intéressant d'explorer ça. Et bien pour le reste, on va garder quand même des petits secrets. Mais je peux vous dire ça. Ah oui, c'est vrai, il y a une autre chose de nouvelle avec Midi. Mon dieu. Euh, <laughs> L'autre chose de nouveau avec îles il faut que je vous parle. J'ai eu l'honneur, super grand, d'être euh, en fait euh, juré pour un, un concours de prototypes. Ça s'appelle les protos de l'année. Et c'est un concours où des auteurs de jeux québécois nous envoient des prototypes de jeux. En fait, là, on évaluait pour les finalistes, on devait évaluer une vidéo qui ont fait plus le livre de règles et déterminer euh, qui étaient nos finalistes. C'était hyper intéressant. Les projets sont vraiment malades. Euh, moi, je fais partie de la catégorie expert avec les gros, gros jeux. Et dans le fond là, cette semaine, il reste à voter pour le choix du public. Fait que dans ceux qui n'ont pas été sélectionnés, malheureusement, des finalistes, parce qu'il y avait à peu près là, une trentaine de projets et plus, puis il fallait au total en choisir huit, ce qui n'était pas facile. Vraiment, ça l'a pris, pris une bonne soirée là, de, de 3-4 heures de rencontre pour pouvoir réussir à déterminer tout ça. Là. Après, euh, au préalable, avoir travaillé pendant 8 heures à regarder le tout. Mais bref. Fait que tout ça pour dire que si jamais vous vous êtes intéressé de voir ça, allez jeter un coup d'œil, les protos de l'année, puis allez regarder les projets qui sont disponibles. Les gens sont tellement donnés, puis c'est tellement des beaux projets. Puis là, bien, en fait, vous avez jusqu'à vendredi pour voter pour le finaliste du public. Ça serait vraiment cool que plein de gens participent parce qu'ils méritent pour vrai. C'est tous ces gens-là, il y a tellement de gens de talent. Fait bref, c'est la dernière chose que j'avais à vous dire, mais allez voter d'ici vendredi, allez regarder ça, ces beaux jeux-là. On a du talent exceptionnel au Québec dans la création de jeux et ça fait le tour. Fait que là on passe sur on passe aux nouveautés parce que ça aussi il y en a une pas pire tonne de nouveautés. Fait que on va aller regarder ça. J'ai juste arrangé mon internet. Donc première nouveauté, attachez-vous parce qu'il va y en avoir beaucoup. L'automne, c'est la saison des Kickstarter. Donc, première nouveauté, Frost Punk The Board Game qui est arrivé euh, sur euh, Kickstarter. Et euh, c'est un jeu hyper intéressant et c'est du même, euh, en fait, designer que celui qui a fait euh, It's uh, This War of Mine. Fait qu'un grand, grand designer de jeux. Et Vous voyez déjà les figurines, tout ça. Euh, c'est un jeu qui se passe post-apocalyptique. Il faut survivre notre colonie, tout ça. Ça a l'air hyper intéressant. C'est un jeu, c'est sûr que il y a comme deux versions. Ça, je trouve ça bien. Une version, euh, je pense, moins de luxe, fait que pas de miniature, une version avec les miniatures, ce qui permet d'être abordable à tout le monde. Il est fait en plusieurs langues. Euh, puis il a l'air d'une qualité vraiment, vraiment belle. Ça fait que Frost Punk. Et c'est ça. Que je vais vous laisser aller voir celui-là parce qu'il y en a plein des Kickstarter. On a, euh, je sais pas comment on dit, c'est Mac Machina, Machina, je euh, sais pas. Ça, Arcana, qui est un jeu un peu de, de Dungeon Crawl dans l'univers de H.P. Lovecraft, peux-tu croire? Puis, c'est pas la première fois qu'il en sort un. Je pense que c'est comme le troisième. C'est comme une extension, mais un standalone aussi. Fait que d'une super belle qualité de production. Juste la vidéo, j'étais sold. Puis en plus, il va être disponible en français. Le jeu a de l'air assez exceptionnel, un peu dans, dans l'univers comme d'Arkham Horror, tout ça. Fait que c'est ça. Puis le matériel est beau. Checkez ça, les dés. Bref. Et si là, vous avez le pledge le plus élevé, parce que hein, je rêvais un peu tantôt quand j'ai vu ça, mais si vous voulez juste avoir la petite boîte de Stan de c'est 80$ canadien, ce qui n'est pas si pire pour un Kickstarter de cette, de cette envergure-là, fait que vous irez voir ça. Il y a aussi dinosaures, les auteurs de Dinosaur Island ont fait Dinosaur World et il y a le Dinosaur Island Rare and Wright. <laughs> c'est un petit euh, tongue twister euh, mais c'est ça fait que ça aussi, ça a l'air super bon euh, mais si vous avez déjà aimé les jeux de cette compagnie-là, vous allez aimer ça c'est sûr, donc allez voir ça, c'est en ce moment sur Kickstarter et là, euh, si vous rangez pas votre portefeuille, c'est pas fini. Comme je vous dis, l'automne, c'est comme il y a trop de projets là. Tu sais c'est comme, à un moment donné, a, des fois c'était tranquille, tu sais, on faisait des épisodes, puis il y avait, fallait que je cherche pendant longtemps des projets que je trouvais intéressants pour vous, vous les montrer, puis là il y en a juste too much là puis lui qui se fait aller puis qui arrête pas de rajouter de l'argent ici c'est de septième citadelle fait que comme Seven Continent j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne si vous voulez aller voir ça ressemble à quoi euh, le jeu Seven Continent et là la septième citadelle euh, dans le fond ça se passe dans pas du tout dans le même univers c'est à peu près le, le même principe de jeu dans le sens que c'est un jeu dont vous êtes le héros mais ça se passe dans un univers post-apocalyptique médiéval fantastique. Donc déjà là, on change pas mal. Vous voyez beaucoup la ressemblance pour ceux qui ont joué à Seven Continent avec le jeu. J'étais un peu déçu quand j'ai vu ça, je fais comme mon dieu, c'est presque le même jeu, mais finalement tu, tu te regardes un peu comment le jeu joue puis là à place d'avoir un deck commun, chaque joueur a son deck, il travaille tout ça, euh, fait qu'il y a ça qui est différent, vous construisez aussi comme une colonie, fait qu'il y a aussi ça qui est différent, donc ils ont racheté quand même des variantes qui ont l'air intéressantes. Et là, il y a un journal un peu comme dans Tainted Grail, il y a comme un, un journal de fait, euh, fait que ça aussi, c'est intéressant. Donc, septième citadelle, il va être disponible en magasin, c'est sûr que... Par contre, il y a quand même quelques petites choses que vous n'aurez pas si vous le bacquez en magasin versus là. Mais pour le pledge pour avoir la septième citadelle, c'est 108$ canadiens. Fait que c'est pas trop cher, mais encore là, hein, avec la tonne de projets qu'il y a sur Kickstarter, c'est fou. Il faudrait gagner un million. Ça serait le temps. S'il y avait un temps pour gagner un million, ça serait là. <laughs> Il euh, y a Dungeon Fighter aussi qui va sortir, qui est sorti dans le fond, une nouvelle version de son jeu avec les extensions, tout ça qui sont sur Kickstarter en ce moment. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi Dungeon Fighter? C'est un Dungeon Crawler. C'est comme un party game pour les gamers dans le fond. Fait que dans le fond, tu te promènes dans un donjon, mais là, c'est un jeu d'adresse. faut que tu lances des dés de façon vraiment ridicule. Le jeu est bien porté. Fait que c'est super le fun à faire. Fait que là, des fois, t'as un dé qui tient en équilibre sur ton coude, faut que tu le lances qui arrive dans une cible. Ça te les œufs du même. Mais <laughs> pour vrai, c'est vraiment pas pire comme jeu. Fait que bref, il est sur Kickstarter aussi. On a Fantastic Fentry... Factories qui est sur Kickstarter avec son extension également. Puis là, ben, s'il vous reste de l'argent après tout ça, il <laughs> y a euh, Cartographer qui est sur Kickstarter également avec, un ex, avec une extension. Et là, ben, rendu là, je sais pas là, si votre portefeuille est vide, en tout cas, moi, je suis un peu en train de capoter à savoir quel projet choisir en ce moment. Dites-moi en commentaire, vous, lequel vous intéresse le plus parmi tout ça. C'est les Kickstarters du moment... Mais c'est pas comme si c'était fini en hein, l'automne, ça commence à peine. D'ailleurs, vendredi, professeur Board Game va sortir une podcast sur les Kickstarter dont j'ai eu la chance de faire partie, donc je le partagerai à ce moment-là. Euh, mais c'est ça, l'automne, il euh, y en a trop, il y a trop <laughs> de Kickstarter, on ne sait plus quoi choisir. Et aujourd'hui, il y a euh, Game of Thrones, la version digitale qui est sortie sur Steam et qui est en rabais aussi de 20% pour sa sortie. Donc, euh, si vous voulez vous le procurer, c'est le moment. Euh, il y a de l'air bien porté. Si vous aimez le style de jeu, si vous aimez la version plateau, mais c'est la bonne occasion de pouvoir jouer avec vos amis à distance en ligne. Je trouve ça vraiment cool. C'est probablement quelque chose que j'aime procurer. Donc, probablement quelque chose que je vais essayer avec vous. On a également une grosse nouvelle <laughs> parce que à Weekend Realms, j'en parlais d'ailleurs dans la podcast qui va sortir vendredi ont annoncé un nouveau projet, un nouveau euh, jeu qui est ISS Vanguard. Ça fait euh, à peu près un an, je pense que je suis le groupe Facebook de ça. Donc si vous voulez aller vous joindre à ce groupe-là pour avoir toutes les nouveautés, vous pouvez. Là, ils viennent de sortir le draft de la campagne. C'est juste que vous remarquerez qu'on n'est on comme pas sur Kickstarter. On est sur GameFound. GameFound qui est la plateforme qu'Awaken Rims a développée pour... Faire les pledge managers de leurs projet sur Kickstarter, ben finalement, imaginez-vous donc que ISS Vanguard aura pas du tout lieu sur Kickstarter. Ils mettront pas là, un pied sur Kickstarter. Ils vont tout faire par eux-mêmes sur leur propre plateforme, donc sur GameFound. Ils ont essayé de faire une interface qui ressemble beaucoup à Kickstarter, comme ça les gens ne se perdent pas. Mais c'est ça. Est-ce qu'on assiste en ce moment à, à un renouveau dans le monde des jeux? Est-ce que Kickstarter va avoir un compétiteur? Moi, je trouve ça le fun pour eux autres qui soient capables de faire ça parce qu'ils ont, ils ont la communauté qu'il faut. C'est sûr que le jeu va être financé et que les gens vont en parler parce qu'à Weekend Rims, ils ont sorti tellement de grandes choses que tout le monde les connaît maintenant. Fait que s'il si y avait quelqu'un qui pouvait se risquer à tenter quelque chose comme ça, c'était eux autres. Je trouve ça vraiment intéressant, par contre. Fait vraiment, hâte que ça sorte pour voir tout ça. Donc, c'est un jeu coopératif, un opéra dans l'espace, ou un odyssée plutôt. C'est un jeu d'exploration positif. Il va pas avoir beaucoup de bagarres là-dedans. Donc, il y, a un, il y a une histoire, tout ça, et une petite BD à la style de ce qu'il avait fait dans la campagne de Nemesis. Donc, tout ça va se retrouver éventuellement sur GameFound pour être financé. Je suis vraiment excitée pour vrai. C'est comme une grosse annonce aujourd'hui qu'ils ont en faite. Je ne sais pas si j'avais manqué le Q puis qu'ils l'avaient annoncé avant, là, que ⁇ By the way, Kickstarter, on dit ça, puis on fait ça sur nos propres choses ⁇ ou si c'était l'annonce aujourd'hui. Mais bref, que vous pouvez aller voir le draft de ça. Et après ça, vous pouvez sélectionner euh, ici, Click Notify on launch ». Et là, ben... Ça va vous avertir quand ça va être lancé pour que vous puissiez aller financer ce jeu-là qui risque d'être débile parce que c'est weekend wins, Fait que ça peut pas être autrement. Et à part de ça, je pense que ça fait le tour de toute la vidéo que j'ai sortie tantôt. Vous pouvez aller voir ça si vous voulez. Et euh, ben, c'est ça. Demain, il y a une vidéo, c'est vrai. Euh, on a fait une partie filmée avec Prof Board Game The Root sur euh, l'application Steam. Je vous dis pas qui a gagné, mais elle va sortir demain sur YouTube. Fait que ça aussi vous pouvez aller voir. Je vous avais dit c'était une grosse journée aujourd'hui, plein d'annonces. Fait que bref, je vous souhaite une super belle soirée. Merci à tout le monde d'avoir été là et on se dit à la prochaine. Fait que on se revoit bientôt. Au revoir.